Good morgen, allez Iden, les tous aujourd'hui, l'Irfouat, Raphaël, Dov, Ben Yehudit, Sarit, Chaya, Batrika, Betor, Shachol, Israël, ainsi que les Nishmat, Avram, Chayne, Orbe, Oben, Fortune, Mazel, Nachman, Yosef, Ben Machoum, Yedida, Batester, Yakov, Nisimen, Chana, Machlouf, Micha, Ben Masouda, si vous êtes aux idées d'une prochaine étude de Misha, quoi, c'est une étude éternelle, nous étudions aujourd'hui, vous serez mis là, Perek Alef, Misha, Bet, Bessar, Kochi, Kodashim, Shiatza, Lifnei, Zirkat, Damim. Rabbi Eliezer, Omer, Moalin, Bo, Ve'en, Chaya, Yin, Alav, Mishum, Pigou, Notar, Betamim. Rabbi Akiva Omer, En, Moral, Nibo, Baval, Chalevin, Alav, Mishum, Pigoul, Notar, Vetame. Et je m'arrête là pour le moment, parce que là, on a une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, qu'il faut comprendre. La suite de la Mishnah sera la preuve de Rabbi Akiva. C'est notre paire de manches. Si on a déjà bien compris la marque locale de Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, ce sera déjà franchement pas mal. Et je commence d'abord par Pajoué. Bessar, Koche, Kodashim. Un morceau de viande d'un korban, qui est des Kodesh Kodashim, en l'occurrence, on parle spécifiquement du Khatat et du Hacham. Et pas du Ola, et pas des Kodashim Kodim. Je vais expliquer tout, mais pour le moment, d'abord, je situe la Mishnah. Shiatza Lifnei Zrikat Damim, qui est sorti de l'enceinte du Beth Amidash, de la Hazara, de l'enceinte dont de l'endroit où on faisait les Korbanot, il est sorti à l'extérieur, alors qu'on n'avait pas fini le Korban. Et qu'après, on a fini le Korban, c'est-à-dire on a fini d'asperger le Korban. Avec ce morceau de viande, soit qui reste à l'extérieur, soit qui revient à l'intérieur, ça ne change rien au problème. Sur ça, on a une discussion. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer enseigne. Eh bien, sur ce morceau de viande, Mo'alimbo, on transgressa l'interdit de Meïla. Et en plus, entre parenthèses, on laissera ça vraiment pour la fin. Ben Chayevena la Meshum Pigoul Notar Betame, on ne sera pas passible sur ce morceau de viande à cause de l'interdit de Pigoul Notar Betame. On expliquera après. Et Rabbi Akiva, Omer, Rabbi Akiva me dit non, En Mo'alimbo, ce morceau de viande, il n'y aura pas d'interdit de Meïla. Aval, cependant, mais par contre, en effet, plutôt, comme ça il faut le traduire, quand ça dit qu'on reviendra, Chayavin alav mishum pigoul notar betame, il y aura un interdit de pigoul notar betame. Et j'explique, c'est simple, il y a deux petites introductions à introduire, à bien définir, à simuler, et après à compiler, et après tout ira bien, mes intégrés. Première notion d'abord, c'est ce qu'on apprenait dans la Mishnah d'hier. Le korban khatat et hacham. Lorsque je vais sanctifier un animal, une brebis, pour en faire un korban khatat, eh bien, dès lors, dès que je l'ai sanctifié, il y a un interdit de Meïla. C'est-à-dire, si toutefois je vais me mettre à égorger cet animal et la manger pour moi-même, je transgresse le grave interdit de Meïla de faire un sacrilège, parce que cette brebis, ça devait être une offrande au roi des rois. On devait la porter à Hachem. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Je me suis mis à mettre ma main dans son plateau et manger. Ou même en tirer profit, peu importe quel profit qu'on en tire. D'accord? C'est le principe de la Meïla. Ce qui doit arriver à Hachem, si j'ose l'utiliser pour mon propre intérêt, je fais le grave sacrilège. C'est clair pour le moment. Jusqu'à quelle limite on transgresse l'interdit de Meïla? Jusqu'à qu'on a fini de faire le korban. C'est-à-dire, faire un korban, il faut se rappeler, depuis Zohar, on connaît ça, Kabbalah, Shrita Kabbalah ou la Chazrika. Quatre avodotes qu'on fait sur le sang, on réceptionne le sang, on égorge l'animal, on réceptionne le sang, on l'apporte devant le misère et on l'asperge. Dès qu'on a fini d'asperger le sang, on a fini la capara. Après tout le reste, c'est l'extra. C'est bien, il faut le faire. Il faut dépecer l'animal, faire sortir les parts qui remontent sur le misbère et donner à manger au kohanim le reste des animaux. Le reste de la viande. Ouais, mais tout ça, ça empêche pas, ça invalide pas la capara. Si toutefois on a fait l'essentiel, les quatre avodot, Shrita Kabbalah ou la Chazrika. Ok? Ça c'est vraiment entre parenthèses. Je reviens sur mon korban khatat. Donc lorsque je vais sanctifier la brebis, celui qui va oser en tirer profit, sans ça c'est l'interdit de Meïla. Jusqu'à que j'amène cette brebis au Beth Amidash, qu'on lui fasse la shrita, on réceptionne son sang, on apporte son sang sur le mémar et on l'asperge. Plutôt, on l'asperge, pour le korban khatat, on monte sur le kevesh, on monte sur la rampe et on l'asperge avec le doigt, on trempe le kohen, trempe le doigt et il met sur les quatre coins du misbéar. Ok, ça c'est pour le korban khatat. Dès lors, la viande devient permise au kohanim. Dès que la viande devient permise au kohanim, un Israël qui va manger cette viande ne veut plus transgresser l'interdit de Meïla. Il aura d'autres interdits, mais en tout cas pas l'interdit de Meïla. Le principe, on expliquait dans le Mishnah précédent, c'est simple, c'est ce qu'est l'offrande pour le roi, celui qui ose mettre ses mains là-dedans, on lui coupe le doigt. Mais dès que le roi il a reçu l'offrande, ça y est, après il a décidé de la donner à son ministre, à son valet, à qui vous voulez. Alors c'est vrai, on n'a pas le droit, personne n'a le droit de venir le prendre. Mais celui qui va venir oser le manger, il n'est plus en train de manger le plat du roi. C'est plus le plat du roi, c'est fini. D'accord? C'est le même principe.
le korban, tant qu'on ne l'a pas amené à Hachem, si on transgresse l'interdit de Mila, dès qu'on l'a amené à Hachem, et qu'après c'est fini, Hachem, elle a dit maintenant, allez, les Kohanim, mangez-le. Dès lors, celui qui va oser le manger ne va plus transgresser l'interdit de Mila. Le principe, il est net. Donc maintenant, je récapitule. Lorsque j'ai fait un korban kratat, dès que j'ai sanctifié l'animal, jusqu'à que je finisse d'asperger le sang du korban kratat, il y a un interdit de Mila. Dès qu'on finit d'asperger le sang du korban kratat, l'animal devient permis au Kohanim. S'il devient permis au Kohanim, il n'y a plus d'interdit de Mila. Prenez ça, mettez-le de côté, et puis à présent, on apporte. On va exposer le deuxième point important à assimiler. À savoir, l'interdit de Yotze, la viande qui est Yotze. Yotze qui sort de l'enceinte du monde de la Hazara. Lorsque j'apporte n'importe quel korban, alors, il faut égorger l'animal, sélectionner le sang, à l'asperger le sang. Dès qu'on asperge le sang, la viande devient permise. Pour le moment, le temps qu'on finisse le korban, la viande doit rester dans la Hazara, dans l'enceinte du Beth-Amigdash. Si, avant de finir le korban, il y a quelqu'un qui a osé prendre cette viande et sortir dehors, eh bien, cette viande-là qui est sortie dehors, le morceau qui est sorti dehors, ne pourra plus jamais être mangé. Il a été invalidé, impropre, il n'aura plus, c'est-à-dire le korban, dans son asperge le sang, ça permet de manger la viande, cette viande-là, elle n'est plus dans l'enceinte du Beth-Amigdash, elle ne peut plus être permise avec le reste du korban. Principe relativement simple. D'accord? Si je lui ça avec un korban kratat, la notion est simple. Donc je vais, pendant qu'on a gorgé le korban kratat, on a réceptionné le sang, et il y a quelqu'un qui a arraché un bout de viande et qui est sorti à l'extérieur du Beth-Amigdash. De la Hazara. Il est parti à Rabaït, mais en tout cas il est sorti là où il ne fallait pas aller. Et il est revenu tout de suite, on a dit, hey, il faut pas sortir, attends, oh, qu'est-ce que tu fais? Il est revenu directement dans l'enceinte de la Hazara. Ok. Et quand il est rentré dans la Hazara, le Kohen, il est parti, il a aspergé le sang. Il s'avère maintenant que lorsqu'il a aspergé le sang, ça va permettre toute la viande, sauf ce bout de viande qui est sorti dehors. D'où la problématique. Est-ce que sur ce bout de viande, il y aura un interdit de Meïla? La Mishnah va nous parler même d'autres interdits. Pour le moment, je me concentre sur un interdit de Meïla. Tout sera le même principe. C'est-à-dire, je m'explique. Puisque la raison pour laquelle le korban kratat, l'interdit de Meïla, est levé lorsqu'on finit le korban, c'est parce que la viande devient permise pour les Kohanim. Si on va avoir une viande qui ne va plus être permise aux Kohanim, alors cette viande-là, elle devrait rester avec l'interdit de Meïla. Tel est l'avis de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva va me dire, non. La viande elle-même, dès qu'on a fini d'asperger le korban, le sang du korban, pour ce korban-là, il n'y a plus d'interdit de Meïla. Certes, pour les graisses qui doivent monter sur le misbéach, elles ont encore une finalité pour le misbéach. Il y aura quand même un interdit de Meïla pour ces graisses-là. C'est vrai. Mais en tout cas, pour la viande elle-même, puisqu'on a fini, le sang, il a fini de permettre, on asperge le sang et ça permet la viande, c'est fini, ça lève l'interdit, ça lève l'interdit, ça lève l'interdit pour tout. On ne va pas concentrer quel bout de viande il est permis, quel bout de viande celui-là il va être mangé, celui-là il ne va pas être mangé. C'est plus notre problème finalement, parce que l'aspersion du sang lève l'interdit. D'accord? Regardez les premiers mots de Rabbi Eliezer, il va nous dire « moi alinbo » et Rabbi Akiva va nous dire « elle moi alinbo ». Il faut savoir maintenant, si ça vous intéresse, la Mishnah, elle rallonge un petit peu plus sur cette marque loquette, qu'en fait, qui impliquera aussi d'autres conséquences. À savoir, par exemple, l'interdit de, on va prendre le plus simple, l'interdit de tamer. Une viande qui a été impurifiée. Un corban qui devait être consommé par le corban. Si toutefois il a été impurifié, alors on transgresse un interdit de tamer. De manger une viande kadosh qui a été impurifiée, c'est facile d'un corban relevé au raid. Ça aussi on leur interdit. Même principe avec notar aussi. Si la viande elle a dépassé les limites de temps permises, on était limité pour le manger jusqu'au lendemain matin et on a dépassé le lendemain. Pigoule, laissez tomber pour le moment, on rappellera après c'est quoi, sinon ça va compliquer. Donc en fait maintenant, la question est de savoir. Bon, alors ce corban là, la viande elle-même, du corban kratat qui n'est pas sorti à l'extérieur, on peut transgresser l'interdit de notar si on laisse traîner jusqu'au lendemain, ou de tamer si c'est impurifié et quelqu'un va venir le manger. C'est notar, c'est s'il passe le lendemain et que quelqu'un va venir le manger. Ou tamé, c'est si ça a été impurifié et que quelqu'un est venu le manger. Mais ce morceau de viande qui est sorti à l'extérieur de l'enceinte du Beth-Amigdash, lui, il n'est plus tellement concerné avec toutes ces halakhot-là. Pourquoi? Parce que lui, de toute façon, le sang qui va être aspergé ne va plus le permettre. C'est pas une viande permise. Si c'est pas une viande permise, alors elle est tout juste bonne pour aller brûler à l'extérieur du Beth-Amigdash. Comme tous les corbanotes qui ont été invalidés, il faut aller les amener tout le au bête à déchaîner. Là-bas, on brûle toutes les ratées des corbanotes. Donc en l'occurrence, ce morceau de viande-là spécifiquement, il est plus concerné, vraisemblablement, par toute la halakhot de la viande.
C'est l'avis de Rabbi Eliezer, qui va nous dire, En Chaemenala Mishum Pigul Notar Betamé, il n'y aura pas de chiou sur ça, sur l'enseignant qui est sorti à l'extérieur, qui n'a pas été permis par l'aspersion du sang. Il n'est plus concerné donc par les lois de Pigul Notar Betamé, autant qu'il n'est pas concerné. Autant qu'il y aura encore l'interdit de Meïla. Réciproquement, tout dépend du même sujet, c'est-à-dire savoir en fait. Selon Rabbi Eliezer, le morceau de viande qui est sorti à l'extérieur du Beth Amikdash, pendant qu'on était en train de faire le corban, ce morceau de viande-là, il ne sera plus jamais permis à la consommation. Donc il y aura encore l'interdit de Meïla. Et il ne sera pas concerné non plus par les lois de Pigul Notar Betamé, parce que c'est alors là, concerne la viande qui doit être consommée par les Kohanim. Pigoul, je rappelle le mot vite fait, c'est au moment où on a égorgé le corban, on a eu l'intention de le manger au-delà des limites de temps ou d'espace requis. De le manger à l'extérieur, au-delà des limites d'espace permises, au-delà des limites de temps. Et dans ce cas-là, toute la viande elle devient interdite par l'interdit de Pigoul. Mais quelle viande de nouveau? Selon Rabbi Eliezer, que la viande qui sera consommable. Rabbi Akiva lui a une autre approche à la question. Il est de considérer ce morceau de viande comme toute l'évolution, en fait, toutes les halakhot particulières qui vont concerner la viande mangeable s'appliqueront aussi sur ce morceau de viande, même si ce morceau de viande n'est pas mangeable. C'est un même lot, donc ça prend le même statut. En l'occurrence, ça va lever l'interdit de Meïla, et en l'occurrence aussi, inversement, il sera concerné par la loi de Pigoul, Notar et Tamé. Vous avez compris? Ouais, on refait ça tout dans les mots, Bézant Hachem. Bessar, Kodesh Kodashim. Un morceau de viande qui était Kodesh Kodashim, on a dit de Khatat ou de Hachem. Sheyatsa lifnei zriket damim, qui est sorti avant que l'on asperge le sang. Donc, lorsque le sang sera aspergé, ce morceau de viande n'aura plus de permission à la consommation d'après tous les avis. Est-ce que les lois qui s'appliquent sur la viande, qui évoluent selon les configurations, les conditions, est-ce que ces lois vont s'appliquer aussi sur ce morceau de viande ou non? Rabbi Eliezer me dit que non. Il n'a plus le même statut que le reste de la viande. En l'occurrence, Rabbi Eliezer Omer, moi, Alimbo, il y aura un interdit de Meïla sur ce morceau de viande. Il ne sera pas permis pour la Kohanim, donc l'interdit de Meïla, il reste dans toute sa vigueur. Et Ve'en Chalevin Alav Mishum Pigul Notar Betamé. Et si toutefois ce morceau de viande a été impurifié, ou bien si on a porté tout le corban avec une erreur en pensant à l'offrir, à le consommer au-delà des limites de temps, d'espace, ou encore si ça reste jusqu'au lendemain, dans tous ces cas de figure, eh bien, il n'y aura pas d'interdit sur ce morceau de viande parce que ça, c'est pas une viande qui est mangeable. C'est une viande qui est bonne à être grillée à l'extérieur de l'étamidash en guise de qui vient croire son plaisir en un déchet. D'accord? Et ça, c'est l'avis de Rabbi Eliezer. Mais Rabbi Akiva, il me dit quoi? Rabbi Akiva, mais non, sur ce morceau de viande, il n'y aura pas d'interdit de Meïla. Il sera levé avec le reste de la viande. C'est-à-dire, selon Rabbi Akiva, il ne faut pas dissocier ce morceau de viande du reste de la viande. Il va garder le même statut, même si concrètement il y en a un qui est mangeable et l'autre qui n'est pas mangeable, il n'y a pas de différence assez essentielle pour qu'il ne veut pas subir tous les changements de la viande. Donc il n'y aura pas un interdit de Meïla, parce que l'interdit de Meïla il va être levé lorsqu'on va asperger le sang. Il y aura quand même un interdit sur ça, sur son enseignant de Pigoul Notar et Tamé. Ok? Et maintenant, Rabbi Akiva, il va rapporter sa preuve. J'imagine que ça va être un petit peu hard pour les gens qui n'ont jamais étudié tout ça. Avec la Meïla, elle va devenir un petit peu plus simple par la suite. Mais en fait, accrochez-vous, c'est quelques Mishnayot, mais bon. Amar Rabbi Akiva a justifié son avis, d'expliquer que ce morceau de viande, eh bien, il va avoir le même statut que le reste de la viande. Ce morceau de viande qui est impropre à la consommation aura le même statut du reste de viande qui est, oui, propre à la consommation. Il va subir les mêmes changements. Varé, il rapporte sa preuve. Varé à ma friche ratato. Regarde, quelqu'un qui a désigné un corban ratat. Ve avda, et après il a perdu ce corban. Il friche un corban tarter. Et donc il a désigné un autre corban à la place. Varakachnim tsatarishana, et après il a retrouvé la première. Varé shten ondot, et voilà que les deux sont devant lui, c'est-à-dire il a pris. Il se retrouve avec deux khatats pour une même faute. Il a transgressé une shabbat, il a prélevé un premier khatat qui s'est fait la balle, il a pris un deuxième khatat, après l'autre il est revenu, et après les deux, il a mis les amènes au Beth Amikdash. Lorsqu'il arrive au Beth Amikdash, les deux, en même temps, deux kohanim, leur font la shrita. C'est une erreur, bien sûr, ils ne font faire qu'un seul. Mais ça leur prend un kohanim, en même temps, ils égorgent les deux. Et ils réceptionnent le sang. Maintenant, entre les deux, mon cœur balance. On peut offrir celle de droite ou celle de gauche. Mais une seule, pas deux. Et sur ça, il nous dira bien qu'il va l'eau qui est chamchedama, poter et de Messara.
Kachupoter et Kibessar Chaverta. N'est-ce pas au même titre que, malgré tout, puisque maintenant j'ai fait la shrita des deux korbanot. Donc ce sont deux korbanot pour le moment. Si quelqu'un il va manger cette viande-là, et comme ça c'est interdit de meila. Mais il y a une halakha, que je ne sais pas pourquoi, Rabbi Akiva, c'est évident qu'il en rapporte ça comme une évidence, que même Rabbi Eliezer est d'accord, que dès qu'on va asperger un des deux sangs, la viande va être permise pour les Kohanim de ce korban. Mais l'interdit de Meïla va être levé aussi du deuxième korban. Ouais, que dans cette configuration. Kachu poter et besar chaverta. Lo keshem shedama poter et besara. Kachu poter et besar chaverta. N'est-ce pas que, au même titre que le sang qui va être aspergé, va lever l'interdit de cette viande-là. Kachu poter et besar chaverta. Au même titre, il va lever l'interdit de Meïla de l'autre korban. Étant donné que le korban, finalement, il s'avère que c'est un korban qui a été égorgé en dernier de là. Et puis, finalement, la faute, elle a été expiée. Puisque la faute, elle a été expiée, ça lève l'interdit. Et je vous promets que j'ai cherché, mais je n'ai pas trouvé. En fait, j'aurais dû chercher un peu mieux. Mais bon. Je ne sais pas pourquoi c'est une évidence plus que le cas précédent. Il rapporte ça comme une évidence, comme s'il y avait des airs. C'est évident qu'il doit être d'accord. Mais puisque toi, tu es d'accord avec cette halakha, alors il lui dit Vim patar damait besar chaverta mina meila. Si maintenant le sang aspergé parvient à dispenser, à lever l'interdit d'un meila d'une autre viande, même si cette autre viande ne sera jamais permise à la consommation, donc tu constates qu'une viande qui ne va pas être permise à la consommation, malgré tout, son interdit de meila, il peut être levé, et bien maintenant déduit naturellement, à plus forte raison dans une même bête qui est partiellement permise et partiellement interdite, parce qu'il y a un morceau de viande qui est sorti à l'extérieur. Si le sang aspergé a pu lever l'interdit de Meïla d'une autre bête, alors dis-nous, Jiftoren Bessara, à plus forte raison qu'il parviendra à lever l'interdit de Meïla de toute cette même viande. Ok, c'est une logique. Si vous avez mis la première halakha, c'est évident qu'il faut mettre la deuxième. Mon seul problème est qu'il le dit pour la première halakha. D'où vient cette évidence? Ça m'a un peu échappé dans l'histoire. Mais en tout cas, on a compris la Mishnah telle qu'elle est écrite, expliquée. Bon, Hachem, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une pleine de la Sacha comme tout.